Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette semaine, à Zoom Appalaches, nous avons le plaisir de rencontrer deux personnes très intéressantes. Il s'agit de Mme Diane Gagnon, qui est présidente du comité des cadets de l'air de l'escadron 775, et de M. Jimmy Beaudoin, cadet de l'air du même escadron. Alors, je les laisse se présenter, M. Beaudoin. Donc, moi, je suis le cadet commandant de l'escadron 775 à Thetford. Ça fait 6 ans que je suis dans les cadets. Ça t'a resté une belle expérience. Et vous, Mme Gagnon? Moi, je suis Diane Gagnon. Je suis présidente du comité répondant. C'est ma 3e année comme présidente et je suis aussi... la maman du cadet commandant. Bon. Alors là, les choses sont dites. Les cadets de l'air, ici, dans la région de Thetford, la formation a eu lieu il y a 52 ans. Est-ce qu'il y a des célébrations spéciales qui ont été faites pour le 50e? Pour le 50e, il y a eu une grosse parade. La parade était plus grosse qu'habituellement. Est-ce qu'on a eu déjà? Bien, c'est ça, il y avait c'est là qu'on a fait venir le planeur, je crois, là, parce qu'à toutes les années, on fait une revue annuelle pour clore la saison. D'accord. Puis là, à ce moment-là, il y a des remises de prix puis aux cadets, puis les plus méritants. Là. Puis c'est ça, fait qu'on a un invité d'honneur. Puis cette année-là, bien, on avait fait les célébrations un peu plus grosses. Ouais. Vous dites que ça se termine une saison. Les saisons durent combien de temps? C'est de septembre au mois de la fin mai à peu près. Là. OK. Mm. Alors, les cadets, je présume, l'été peuvent suivre des cours ou... Oui, tout à fait. On a justement des camps d'été. Qui a fait, on pourrait dire, différentes formations. Les formations, on a les camps de musique, on a les camps de sport, les camps de tir, les camps d'aviation avancés. Après ça, sinon, si on continue encore là-dedans, on a les bourses pour obtenir un brevet de pilote d'avion de planeur. Vous êtes combien de cadets ici dans le 775? Présentement, on est 47. 47? Ça fait quand même... Excuse-moi, 37. 37, oui. Ça fait quand même beaucoup de monde. Oui. La supervision de ces gens-là, lors de... Il y a une rencontre hebdomadaire? On a la soirée d'instruction, qui est le vendredi soir. À la soirée d'instruction, ça dit, c'est de l'instruction. Ils ont comme des cours. Ça peut être des cours de cuisine, ça peut être des cours de survie, ça peut être des cours de drill, de marche militaire, ça peut être... d'aviation, des cours, toutes sortes de cours là, d'intérêt général, ouais. De premiers soins. Ensuite, il y a les activités, pas secondaires, mais optionnelles. Donc, le mardi, il y a des cours de musique. Le lundi, il y a du sport. Le jeudi, il y a des cours de tir à carabine à plomb. Okay. Puis, il y a une compétition, d'ailleurs, à toutes les années, qu'eux autres, ils vont à Sainte-Justine. Et le samedi, là, présentement, on n'a pas d'officier pour ça, mais d'instructeur, mais on a aussi des cours d'aviation, des cours de survie, qui d'habitude se donnent la fin de semaine. Ouais, intéressant. Mais tous ces cours-là, ça fait beaucoup de bénévoles. Il y en a combien? Des bénévoles? Dans le comité répondant, dans le comité répondant, on est 9 personnes, mais aussi les officiers. Les officiers qui, eux, ont une formation, sont rémunérés. Là. C'est OK. C'est eux autres qui viennent chaque soir de la semaine, différentes personnes qui viennent donner le cours. Oui, on peut avoir les officiers ou on peut avoir des instructeurs civils aussi, là. Des personnes qualifiées pour donner les cours. D'accord. Sur 37 cadets, il y a combien de cadettes? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y en a, d'un? Oui. il y a quand même beaucoup de cadettes. Je ne pourrais pas vous dire comment, parce qu'on ne regarde pas vraiment ça, là, je crois. Bien, on est content qu'il y ait des cadettes, parce que c'était notre but aussi de remonter en filles. Et je vous dirais qu'on doit être une dizaine. Pour moi, une dizaine à peu près. Oui, parce que les cours offerts dans les cadets de l'air, ça s'adresse à tout le monde. À tout le monde, oui.
Alors, il y a bien sûr un recrutement spécial qui se fait pour les cadets ou les cadettes. Nous, on fait de la publicité, mais les jeunes peuvent venir s'inscrire à tous les vendredis soirs quand on est à nos locaux, là, ici au centre paroissial. On a pris les anciens locaux de la vigne. OK, puis, vous avez dans le, ce qu'on appelait le centre Saint-Alphonse, oui. Vous avez les locaux là. Oui. Depuis cet été, on est déménagé là pour se centraliser. OK, l'âge d'or en haut et les cadets c'est ça. En bas. Puis ça fait un beau mélange. Hein? Ouais. On a une belle entente avec les gens de l'âge d'or. Puis c'est ça, tous les vendredis, lors de la soirée d'instruction, les bureaux sont ouverts et les jeunes peuvent venir s'inscrire. Puis le support financier, ça vient des forces armées, de la défense canadienne. Est-ce que les montants attribués pour les cadets de l'air sont équivalents à ceux attribués pour l'armée de terre ou encore la marine? Parce qu'il y a trois styles de cadets. Ici, le 775, c'est des cadets de l'air, mais il n'y a pas de cadets de l'armée ni de la marine. Alors, les subventions sont équivalentes à chacune des trois? En fait, tout dépend de l'effectif de cadets qu'on a. Comme on dit, plus qu'on est de fou, plus qu'on rit. C'est le plus que je pourrais vous répondre. Je ne suis pas au courant de tous ces chiffres-là. Je sais que les cadets de l'air, ils coûtent un peu plus cher à cause, pas juste ici à Tout-Fur, là, partout, parce que à cause de l'entretien des machineries, les planeurs, les avions, tout ça, là, qui servent. Parce que faut dire que les jeunes qui sont dans les cadets de l'air ont droit à un vol en planeur par année, un vol en Cessna. Fait que ces appareils-là, mais faut que c'est... C'est à partir de l'aéroport de Thetford, ça, ou de la base militaire de Valcartier? Les deux, oui. Les deux? Pour le vol en Cessna, oui, ça va être à l'aéroport de Thetford. Puis pour les vols en plein air, vu qu'eux, ils ont l'équipement, ça va être à Valcartier. Mais sinon, pour nos finances, l'armée nous subventionne une partie de nos dépenses, mais nous autres, on faut travailler de notre bord aussi. On a des campagnes de financement. On fait la vente de pain, on fait la vente de l'autocadet. Ça, c'est une loterie, justement, pour qu'on va vendre aux gens au porte-à-porte, puis ça nous donne un revenu au bout de la ligne. On fait le brunch annuel, puis on fait la... On sollicite des commanditaires aussi. Et on est aussi le club, notre club parrain, c'est le club Kiwanis. OK. Oui. Et qui nous aide beaucoup, c'est notre partenaire depuis plusieurs années. Alors, il y a la Défense nationale qui vous fournit de l'argent, puis le reste, la c'est comblé. La Ligue des cadets, puis Les uniformes, je regarde l'uniforme, c'est fourni gratuitement, ça, ou il faut que les gens fassent l'achat? Non, c'est fourni. C'est fourni, mais il faut qu'ils la remettent. Quand ils partent des cadets, ils doivent remettre leurs uniformes, à moins qu'ils se rendent jusqu'à la fin, parce que les cadets, c'est de 12 à 19 ans, à 18 ans complet. Donc, s'ils restent jusqu'à leurs 19 ans, ils ont le droit de partir avec le vareuse, avec le veston qu'on appelle la vareuse, avec le décoration. Compte tenu qu'ils rentrent à 12 ans, mettons. Là, l'uniforme est un peu plus petit. Oui. Et au fil des années, ils changent d'uniforme. Oui, on les prête. Hein. Des fois, c'est des uniformes neufs, des fois, c'est des uniformes qui ont déjà été utilisés. Mais pas non, c'est ça. Mais vous avez l'obligation d'avoir l'uniforme à chaque fois que vous vous présentez pour un cours ou pour. Non. Pas nécessairement. En fait, prochainement, on va avoir une deuxième uniforme. Ça va être l'uniforme de combat. Ça va être une forme, ça, pour, mettons, aller faire du tir, puis aller faire de la survie. OK. Avant, il y avait les cadets de la marine. Eux, il y avait ce qu'on appelait l'uniforme, un peu dans ce style-là, mais c'est une autre couleur, c'est différent. Mais eux autres, il y avait l'uniforme qu'on appelle le work, qui est justement fait pour travailler ses bateaux, puis tout ça. Et l'uniforme de la terre, eux autres, il y avait un autre uniforme dans ce style-là, l'uniforme de parade, qu'on appelle ça. Puis il y avait justement le combat. OK. Fait que nous, on n'avait pas. Vous n'aviez seulement qu'une? C'est ça. Fait que ils vont nous rajouter l'habit de combat prochainement pour justement pour ces occasions-là. Ouais, puis éviter de briser celle-là. C'est ça. Mais c'est ça, ça va selon quand c'est des soirées d'instruction.
C'est sûr, quand c'est des soirées de sport, on les met pas en uniforme, on leur demande de s'habiller en linge confortable et on a nos gilets aussi de l'escadron. OK. Fait que quand on fait des sorties sans uniforme, on s'identifie avec notre chandail. Puis, c'est ça, pour la survie, les jeunes n'en avaient pas toutes des uniformes de survie. Ça c'est nous qu'on les achetait, les parents, les enfants, quand que ça leur tentait, mais ils pouvaient y aller en uniforme, pas en uniforme, en vêtements normal, mais maintenant, l'uniforme de combat va être fourni à tout le monde. Fait que quand on va aller à nos fins de semaine de survie, parce qu'on a deux fins de semaine de survie par année, une d'automne et une de printemps. OK, il n'y en a pas l'hiver. Mais il y en a déjà eu, mais pas maintenant, pas présentement. Fait que c'est ça, les jeunes partent deux, trois jours en survie, puis ils trippent bien raide, là, dans le bois, puis... Ils ont l'avantage de ne pas avoir trop de mouches non plus à l'automne. Mais l'entretien de l'uniforme, c'est chaque parent qui s'en occupe? Non, c'est justement les cadets. C'est leur devoir d'entretenir leur uniforme. Et on doit repasser l'uniforme, on doit cirer nos bottes. Il faut passer une brosse collante pour enlever la mousse. Mais si tu échappes de la sauce... Sur ton uniforme, c'est toi qui payes le nettoyeur? On va commencer par essayer de la faire partir avec notre laveuse, puis si ça marche pas, l'uniforme va probablement être jeté, je crois. Ah oui? Ça peut aller jusque-là. Vous, comme mère de famille, ça vous donne un bon coup de main qu'il entretienne son uniforme? Est-ce qu'il entretient le reste de ses vêtements aussi facilement? Fait son lavage, mais ça s'arrête pas mal à ça. Ah, mais je peux mon linge, là. Mais c'est quand même une bonne discipline. Ça fait partie de la formation, en quelque sorte. Il y a 15 éléments de formation. Malheureusement, je les ai pas. Est-ce que vous pouvez m'en énumérer quelques-uns? Ben en fait, il y a les trois buts des cadets. Qui sont excusez-moi, ça c'est la devise. Les trois buts des cadets sont c'est former un bon citoyen, promouvoir la forme physique et promouvoir l'élément. Promouvoir l'élément, ça veut dire promouvoir l'élément air, c'est-à-dire l'aviation, justement en donnant des cours d'aviation pour connaître la base justement de l'aviation. Comprendre ça ressemble à quoi les petits pitons dans un avion, puis la physique d'un avion. La devise, c'est quoi? C'est apprendre, servir, progresser. Apprendre pour apprendre de nous-mêmes, apprendre de nos erreurs, apprendre sur l'aviation, servir notre communauté, servir notre pays, servir notre escadron. Puis progresser, c'est un peu avec apprendre, selon moi, parce que si on apprend, on progresse en même temps. Fait que pour tant progresser sur soi-même, progresser, faire progresser son escadron. Essayer de faire changer des choses pour que ça aille mieux. C'est un milieu très convivial. Hein? Les cadets, c'est une belle gang. Ils se tiennent. Ils sont proches un de l'autre. Là. Quand on fait une sortie de groupe, là, c'est beau de les voir ensemble. Là. C'est une petite famille, oui. Et aujourd'hui, les gens de son âge sont branchés plus sur le téléphone. Puis, on les retrouve un peu n'importe où avec leur téléphone. Mm-hmm. Est-ce que les cadets, vous autres, quand il vient le temps des formations et tout ça, le téléphone est défendu? Bien, en fait, justement, pendant les soirées d'instruction, le téléphone est interdit. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est... Moi, je me dis qu'en même temps que pour, on pourrait dire, quoi, une soirée, ça dure 3 heures, je crois. À peu près. Environ 3 heures, qu'on peut se passer notre cellulaire pendant 3 heures. Mais pour les cadets cadres, c'est comme les supérieurs, parce qu'on a les cadets cadres, puis les officiers par-dessus ça. C'est l'échelle hiérarchique. Ouais. À moins que ce soit pour des raisons professionnelles, justement, on peut l'utiliser. Là. Mais on est capable de s'en passer. Là. Et ça va faire plaisir aux parents d'entendre ça. Peut-être que vous allez faire plus de recrutement en sachant que les cadets ne peuvent pas utiliser le téléphone au moins pendant 3 heures par semaine. Mais il doit y en avoir qui trichent un peu. Est-ce que, au point de vue de la discipline, est-ce qu'il y a des,
des punitions ou des mesures correctives? Quand un cadet n'écoute pas, on va lui donner un avertissement, puis s'il ne nous réécoute pas encore, ben, on est supposé donner un rapport verbal ou ouais, un rapport verbal. Puis dans ça, il y a comme une punition qui revient avec. Là, mettons qu'il fait pas son uniforme, ben moi je vais m'arranger pour y faire lire la section qui parle de ça. Exactement. Dans un document, parce qu'on a plein de documents. Ça s'appelle comment déjà? On parlait tantôt des récompenses à revenus annuels et oui, des camps d'été. Ça, c'est donné selon le... OK. S'il y a trop de manquements, c'est ça. Ça va au mérite, dans le fond. Mm. C'est, les camps, on ne peut pas en donner à tout le monde parce que la Ligue nous en envoie, mettons, une dizaine, une quinzaine. Okay. Ça dépend. C'est ça. Fait que les officiers, quand c'est temps de donner les récompenses, ils regardent la grille de... Disciplinaire. Discipline, oui, si on veut. Là-dessus, il note le comportement, le leadership, l'entretien de l'uniforme. Leur implication. Fait que ça va à. C'est comme une note. Ouais, une grille de notes, là. Ouais. Fait qu'à la fin de ça, ben, selon les plus méritants, ils attribuent les récompenses, les camps. Puis peut-être aussi que ça va aux compétences. S'ils voient qu'un cadet qui. Oui, aussi, vraiment, c'est sûr que si qui performe énormément dans une discipline particulière, puis ça s'adresse à un camp. C'est sûr que si on a un cadet qui joue pas de trompette, tu sais, qui joue pas d'instrument de musique, on l'enverra pas sur un camp de musique. Non, là. Mais s'il est bon trompettiste, il y a des chances d'y aller. Oui. Pas nécessairement. Si le cadet veut. Il est pas obligé d'avoir fait de la musique pour justement faire un camp de musique. Moi, j'en ai fait un camp de musique, puis il y avait tout plein de personnes qui n'avaient jamais touché un instrument de musique de leur vie, à part peut-être leur guitare ou peu importe. Parce que justement, le but des cadets, c'est faire apprendre aux autres comment jouer, peu importe. Là, mais ça va pas nécessairement avec seulement les connaissances qu'on a. Parce que justement, les camps d'été servent justement à apprendre. Quelqu'un qui a le goût d'apprendre, c'est une belle occasion. C'est ça. Puis même si quelqu'un avait les compétences, mettons que le gars là, il serait super intelligent en aviation, là, ça serait top notch. Le gars, il serait full connaisseur. Mais qu'une discipline ordinaire, on l'envoiera pas là parce que ça fait dégager notre image. Ouais. En parlant de musiciens, l'escadron 775, il y en a-tu beaucoup de musiciens? On doit être à peu près une dizaine, je crois, de musiciens cette année, peut-être 10 ou 15. C'est des instruments à vent? À vent et à percussion. OK. Parce que il va y avoir une concentration à la polyvalente de Thetford, musique, mais il n'y a pas d'instruments à vent. Ah oui. Les instruments avant qui sont fournis, c'est fourni par l'armée? Non, nous, on a la chance d'avoir nos instruments à nous. C'est, les autres escadrons, c'est fourni par la ligne, mettons, l'armée, mais nous, à Thetford, on a nos instruments à nous. Ils appartiennent à l'escadron. Ah bon? Oui. Alors, les gens peuvent choisir un saxophone, une trompette ou un trombone. Oui, choisissent leurs instruments. Vous avez tous ces instruments-là? Il y en a plusieurs. C'est intéressant à savoir parce que dans la concentration musique, c'est l'élément qui leur manque. Ah oui. Puis j'ai posé des questions là-dessus. Ils disaient que c'est trop dispendieux de faire l'achat de ces instruments. C'est avec l'entretien. Ça peut-être avoir une entente là, avec les cadets. Ça, c'est pas moi qui faudrait que ça s'aille discuté, là. Parce que quand même, les cadets sont responsables de leurs instruments. Ouais. Fait qu'ils... Le temps qu'ils l'ont. C'est ça. Il y en a qui, s'ils commencent à 12 ans, ils peuvent le garder jusqu'à 18 ans. Ouais. Non, en fait, à cause de toutes les années, ils ont comme une entente à signer. OK. Mais les instruments sont fournis par l'escadron. Oui. Intéressant. Il y en a beaucoup? Quand même. On est capable. On a plus qu'on a de musiciens. Si on peut-tu s'attendre à ce qu'un jour, peut-être, il y ait un concert de l'escadron?
Ben, on fait toujours une démonstration à revue annuelle, okay. Mais de là à dire concert, ça prendrait beaucoup de pratique. Puis, ouais. Tout ça, malgré qu'on a un très bon instructeur là, depuis quelques années. Là, on un instructeur, c'est un militaire aussi? C'est un instructeur civil. Oui, civil. Qui a déjà été dans les cadets, okay. Et qui faisait de la musique dans les cadets. Là. Les instructeurs pour les cours sur semaine sont pas tous militaires? Non, justement, non. On a les... Il y a les instructeurs civils, qu'eux, c'est. Justement, ils n'ont aucun lien avec. Ils n'ont pas de formation. Pas de formation militaire. C'est ça. Puis après ça, on a les officiers. Civils officiers, ça, je voulais dire, désolé. OK. Ils font partie de l'armée, mais ils travaillent dans le civil. Oui, bien, en fait, c'est des officiers. C'est okay. Supposément des officiers de réserve. Ouais. C'est des officiers, si ouais, c'est des militaires les, quand les même. Officiers, ils pourraient être appelés, les officiers des cadets pourraient être appelés à... S'il y avait un conflit militaire. Oui, ils pourraient être appelés, mais ça ne serait pas pour aller au front. Là. Non, OK. Ce serait comme un support. C'est ça. Parce qu'un officier, est reconnu comme quand il termine sa carrière comme officier, quand il a été officier, ils sont reconnus comme anciens vétérans. OK. Un cadet de l'air qui fait de 12 à 18 ans, il peut continuer après, mais au niveau de l'armée? Non. Si je voudrais, je pourrais continuer officier, moi, si je voudrais, ensuite. Là, okay. Ça me prendrait des cours, tout ça, à suivre. Mais... Là, tu deviendrais un officier militaire. C'est ça, sauf que... C'est de l'armée de réserve. Non. Ouais, ouais. Ben, il peut continuer s'il veut rester dans les cadets adultes. C'est soit qu'il devient instructeur civil ou qu'il va faire sa formation d'officier. OK. Mais ensuite, ben là vous avez parlé d'armée, mais je vous expliquais, le but des cadets, c'est pas de faire des militaires, non. C'est vraiment de faire des bons citoyens. Et on a très peu de jeunes qui choisissent le côté s'en aller militaire. Oui. Ben ça prend une passion. Hein. Ben, c'est ça. Devenir pilote, c'est intéressant. Peut-être tu dis, bon, je vais m'acheter un petit Cessna plus tard, puis je vais pouvoir le piloter. Mm. Mais aller... pour conduire des avions de chasse militaires, c'est pas tout le monde. Hein? C'est ça. Fait que c'est vraiment pas le but de faire des militaires, des soldats, pas du tout, mais on est subventionné par l'armée, sûrement. Ouais. On est très contents. Il nous reste peu de temps. Est-ce que vous auriez un message à lancer pour la population, en terminant? D'inciter vos enfants à faire partie des cadets de l'air? Je peux vous dire que moi, quand je connaissais pas ça, les cadets, quand j'étais jeune, puis si je l'aurais connu aujourd'hui, dans le temps, j'aurais embarqué parce que c'est une belle aventure. Les jeunes, ils vivent vraiment des belles expériences. Puis comme je vous disais, c'est familial. Puis c'est, oui, il y a de la discipline, mais... c'est pas mauvais, hein? C'est ça, c'est pas mauvais. Puis c'est une très belle expérience. Puis c'est sûr, nos inscriptions sont le vendredi soir à 18h30, à partir de 18h30 ici au centre paroissial. Alors, mesdames, messieurs, c'est tout le temps qu'on a. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue et que ça va inciter quelques-uns d'entre vous à inscrire leur enfant au cadet de l'air de l'escadron 775. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.